sûr que les chiens vont s'en sortir tout seuls. Chérie, tu sais bien qu'on n'a pas de place pour eux là où on va. La fourrière leur trouvera une famille. Allez, faut qu'on parte. J'ai eu un bonhomme de neige. Le chapeau de Noël est pour moi. Hé, je le voulais, le chapeau. Oh, regarde dans les cartons, tu trouveras quelque chose. Regardez-moi. Oh, grand frère, on dirait que tu es le Père Noël. La classe. Chapeau de Noël, tu vas voir ce que tu vas voir. Vous pouvez pas faire moins de bruit, j'aimerais bien faire une petite sieste. Snoozer, depuis ce matin, tu ne fais que dormir. Viens voir ce que j'ai trouvé. T'as trouvé quoi? C'est moi ou ça sent le biscuit? Ce sont des décorations de Noël qui ont plus d'un an et c'est dur comme de l'acier. Un petit sang. Comme toutes les nourritures d'ailleurs. Tiens, essaye ce papier cadeau, je te jure, ça a un goût de poulet. Attends, je crois qu'il y a des miettes au fond. Oh. Les gars, personne n'a envie de faire pipi. Moi, j'ai très envie. Et vous savez que j'aime pas y aller toute seule. Cette branche de gui ne va pas longtemps faire la guérette. Rory, t'es censé m'aider. T'es mon grand frère, après tout. Donne-moi juste une minute, Tinkle. Je vais le dire à maman. J'ai demandé à Rory de m'emmener dehors et il a refusé alors que t'as dit qu'il est obligé de m'accompagner. Tinkle, tu es assez grande pour y aller toute seule. Utilise la petite trappe. Je sais, maman, Je suis sûre que tu peux le faire, chérie. Et dis à Rory que je veux le voir. J'ai quelque chose à lui dire. D'accord. Rory! Oh non. Maman, j'allais l'accompagner, je voulais juste jouer encore un petit peu. Ce n'est pas de ça dont je voulais te parler. J'ai une très mauvaise nouvelle. Nos maîtres sont partis pour de bon. Quoi ? Ils avaient des problèmes d'argent. Ils n'avaient sûrement plus les moyens de vivre ici. Mais je n'aurais jamais cru qu'ils nous abandonneraient. On est tout seul alors ? T'es sûre ? Oui, et c'est pour ça que j'ai besoin de ton aide, Rory. C'est toi qui es l'aînée. Oui, enfin, de 18 secondes. Ça ne fait rien. Tu es tout de même le responsable. Je vais voir si je peux trouver de l'aide. Je veux que tu t'occupes de tes frères et sœurs en mon absence. Alors ne faites pas trop de bruit et surtout pas de chamaillerie. Est-ce que je peux compter sur toi? Oui, maman. Dis, maman, les choses vont s'arranger, hein? Bien sûr, chérie. Tant que nous restons unis, tout ira bien. Allez, retourne en bas. D'accord, maman. Venez voir, j'ai une idée. On peut jouer aux humains? C'est moi qui fais le bébé. C'est toujours toi qui fais le bébé. Moi, j'ai envie de gratter la moquette. Non, mon idée est meilleure. Je vous propose un super jeu. Ok, vas-y, on t'écoute. C'est quoi ton super jeu? Ça s'appelle le roi du silence. À partir de mon signal, le premier qui fait du bruit a perdu. Facile. Ok, on joue. D'accord. Le jeu commence maintenant. Je suis à deux griffes de m'endormir. Ça me casse les pattes, j'abandonne. Voyons s'il reste des miettes par terre dans la cuisine. Oh, ce serait pas un morceau de gâteau, ça? J'ai un meilleur jeu. Comme nos maîtres ne sont pas là et que maman est sortie, ça veut dire qu'on peut jouer. Ça veut dire qu'on peut jouer à chat. Hein, quoi? Vous jouez à chat, je peux jouer aussi? Non, attendez, je ne suis pas sûre que ce soit une bonne idée. Hé, hey, Scarf, devine quoi? Quoi? On va jouer à chat. Génial. Et devine qui est le chat? C'est toi. Non, c'est toi. Oh non, attends, pourquoi c'est toujours moi le chat? Hé, reviens ici. Hé, hey, les gars, attendez-moi. Arrêtez, il faut qu'on soit sage. Scarf, tu me rattraperas jamais. C'est ce qu'on va voir. Cours. Arrêtez, on suit du bruit. Une seconde.
vous n'en faites qu'à vos têtes. Ah, si j'arrivais à creuser un tunnel sous ce mur... Que je ne fais pas ça tous les jours. Il y a quelqu'un? Monsieur et Madame Cooper, c'est encore moi, Jeff Richmond de la Banque Santa Rita, vous vous souvenez? Écoutez, je suis vraiment désolé, nous ne pouvons plus vous accorder de délai. Ça fait 6 mois que votre maison a été saisie. Vous devez quitter les lieux. Et vous vous retrouverez dehors pour Noël. Hé! Je crois qu'il y a quelqu'un à la porte. Vous êtes où, les gars? Vous êtes encore caché sous le lit? 1, 2, 3, sautez! Geronimo! Hé! Hey! Tiens, vous avez arrêté de vous courir après? Qui est le chat alors? C'est toi! Oh! Eh ben, on dirait qu'ils sont déjà partis. Ça rend les choses plus faciles. S'il vous plaît, aidez-nous. On nous a abandonnés. Super, ils sont partis sans chien. Tiffany? Oui, c'est Jeff. Dites à Monsieur Garvey que je suis passé chez les Cooper. En fait, ils ont déjà libéré les lieux. Et je crois qu'ils sont partis en laissant le chien. Attendez, mes enfants sont enfermés. Il faut appeler la SPA, non? C'est sûr. Moi non plus, Tiffany. Je n'ai pas envie d'avoir la mort d'un chien sur la conscience la veille des fêtes de Noël. D'accord. Vous les appelez. Oh non, ne partez pas! Ça ne va pas être un joyeux Noël pour tout le monde. Hé, hey, il est où, Rory? Essayons par là! Rory, j'espère que tu ne te caches pas encore dans les toilettes. Vous entendez, maman? On devrait peut-être aller voir ce qu'elle veut. Tu crois qu'elle va nous dire qu'on fait trop de bruit? Rory, t'es où? T'es là-dedans? Ouh, c'était quoi, ça? Je sais pas, mais je dois dire que ça me fait peur. Ouh, ça vient d'ici, j'en suis sûre. Rory, t'es là-dedans? Est-ce que ça va? Je suis Rory. Mon Dieu, qu'est-ce qui t'arrive? Et c'est moi, le fantôme de Noël. Ouh, ah, j'ai envie d'en peur. Attendez, je vous fais une blague. Partez pas. Oh, c'est coincé, aidez-moi. Je suis caché dans le garage, Rory. Attendez. Sécurité. Et vous êtes où, les gars? Vous vous cachez là-dedans? Aïe! Oh, oh! Oh, non! Oh, ya, ya! Oh, on est enfermés. Les enfants, venez ici. J'ai quelque chose à vous dire. Maman? C'est toi, maman? Je suis là. Et que se passe-t-il? Pourquoi la porte est-elle fermée? Rory, tu peux m'expliquer? Eh ben, en fait, au début, on jouait au chat et à la souris. Au chat et à la souris? C'est comme ça que vous avez décidé d'être sage? Désolée. Et ensuite, je me suis déguisée en fantôme de Noël et je me suis coincée les pattes dans un t-shirt et je me suis cognée sur des cartons qui sont tombés sur la porte. Rory, mais qu'est-ce que tu as fait, chérie? Salut! Il y a quelqu'un là-dedans? On est là pour récupérer le chien. Par ici, on est plusieurs. Le chien est bien là, mais la porte est fermée à clé. Viens, on n'a qu'à faire le tour. Maman! Maman! Il doit bien y avoir un moyen de sortir d'ici. Attendez, je crois que j'ai une idée.
Tiens, regarde, elle est là. Oh, salut. Hey. Oh, on t'a laissé toute seule? N'aie pas peur. Heureusement qu'on t'a trouvé, ma belle, hein? Tu as de la chance, tu sais. Tu vas faire un petit voyage pour les vacances de Noël. Allez, non! Allez, viens. Non, allez. Attendez! Mais viens ici! Mes enfants! Mes enfants sont enfermés! Mais attendez! Allez, les gars! Aidez-moi à tirer ce balai! Il faut qu'on atteigne la poignée! Si on arrive à lever le balai assez haut pour l'atteindre, la porte va s'ouvrir. D'accord, on peut y arriver. Tiens, si ça te va. Non, encore là. Non, faut que je trouve un moyen de le coincer derrière la poignée. Tu y es presque, Rory. Allez, tire. T'es trop fort, Rory. Tire vers le bas, tire fort. Je l'ai presque. Ça y est. Maman, 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 t'es où? T'es où, maman? Oh. Oh non! Venez, il faut qu'on les empêche de partir. Vite! On va les enfermer dans la ville. Allez, courez aussi vite que vous pouvez. Faute, Rory. Mais j'ai essayé de vous dire si que... Si tu nous avais pas fait peur, on aurait encore maman. Je croyais que tu devais te montrer responsable et que tu devais t'occuper de nous, je me trompe. Mais je voulais juste... On va faire quoi maintenant? Qu'est-ce qu'on va devenir? C'est bien, attrapez le fil maintenant. Vous y êtes presque. Faut tirer plus fort. Allez, jumper. Ah, je suis au maximum. Moi aussi. Oh. Encore un petit effort. Ouais. Ouais. Vous avez réussi. C'est quoi déjà le numéro? 2, 4, 6, 8. La police, c'est le 911. Appuyez sur les boutons avec le nez. Dès que vous entendez une voix, vous aboyez. J'entends rien du tout. La ligne est peut-être coupée. Oh non, tu es sûr? Attends encore un peu. Taisez-vous, je crois que j'entends quelque chose. Oh, mais oui, moi aussi. Mais ça n'a pas l'air de venir du téléphone. Ça a l'air de venir d'en bas. Deux possibilités. Soit c'est une énorme souris, ou alors... Il y a quelqu'un dans la maison. Allons voir. Ouais, allons-y. Quelqu'un entre par effraction dans notre maison. Faites pas de bruit. C'est un garçon. Oh, vous pensez qu'il a de la nourriture? Oh. La voie est libre, je vous ouvre. Hé, hey, fais rentrer Biff et le nouveau, ils sont de l'autre côté. Regarde, j'ai trouvé ça sur la porte. Et qu'est-ce qui a marqué? Eh ben, ils se sont fait expulser, le service de protection des animaux a rajouté qu'ils ont pris le chien. On dirait que la maison est abandonnée. Et il y a une super grosse télé derrière. La classe. Alors c'est pas trop de la balle, les gars. On a une maison abandonnée avec tout le confort et une méga télé rien que pour nous. Et sur ce papier, il est écrit que personne viendra avant le nouvel an. Je crois qu'on a tiré le gros lot, les gars. Je déclare cet endroit le quartier général du gang des revenants. Je suis pas sûr qu'on devrait leur faire confiance. Bah, moi non plus. Stop. Hé, passons aux choses sérieuses. Biff, la nouvelle recrue est prête. Je lui ai bandé les yeux et il attend tes ordres. Amène-le, les gars, fermez les stores. Recrue, est-il vrai que tu veux faire partie du gang des revenants? Le plus génial gang de la mort qui tue, avec lequel on traîne dans tous les quartiers, en profitant des trucs sans payer et en s'éclatant en permanence. Quel est ton nom, petit? Oliver Richmond. Quoi? Oliver Richmond? Richmond Oliver. Non, tu seras Olive maintenant, je préfère. Olive,
Tu jures sur tes parents que tu seras loyal aux revenants, que tu feras toujours des trucs cool, et que tu suivras les ordres de tes supérieurs, à savoir nous tous, qu'il vente ou qu'il neige. D'accord. Je le jure. Répète après moi. Le gang passe avant tout en toutes circonstances. Le gang passe avant tout en toutes circonstances. Excellent. Enlève-lui le bandeau. Tu fais maintenant officiellement partie du gang et c'est permanent. Tu restes jusqu'à la mort. C'est clair. Charlie, initiation au tirage du slip démoniaque. Oh, comment ça? Oh, allez, que la fête commence. Oh, ouais. Allez, pique, va chercher la bouffe. Ouais, ouais, j'y vais. Si je t'attrape, Charlie. Il a l'air moins méchant, celui-là. Observons-les pour voir. Charlie, branche la console. Et je veux entendre ce que vous avez inventé pour que vos parents vous laissent tranquille ce soir. Moi, je leur ai dit que je dormais chez Scooter ce soir. Et s'ils appellent, t'es grillé. Je leur ai filé le portable de Scooter. Ok, on essaye. Bonjour, vous êtes chez les Cameron, et c'est James Cameron qui vous parle. Ils savent que ton père s'appelle Henri, imbécile. D'accord, Henri Cameron, qui est à l'appareil? Oui, monsieur Cameron, ici Barbara à l'appareil, la maman de Charlie. Oh, bonsoir, Barbara. Votre voix est tout à fait chamée, je dois dire. Il dirait pas chamée. Je voulais savoir si Charlie ne vous causait pas d'ennui. Charlie est un garçon adorable, Barbara. Figurez-vous qu'il est dans le salon de télévision et qu'il regarde les Teletubbies en ce moment même. Les Teletubbies? Mais tu crois quoi, qu'on a 3 ans? Ok, je suis convaincu. Et toi, Scooter? Mes parents croient que je suis chez mon grand-père. Il est trop sourd pour entendre le téléphone sonner. Bif! J'ai dit à ma mère que j'allais au ski avec mes copains des scouts. Tu te souviens pas? Tu m'avais aidé à faire des faux papiers d'inscription. Ah ouais, c'est vrai. Je suis vraiment génial. Et toi, Olive, tes parents, ils vont pas s'inquiéter? Ils pensent que t'es où? Ça n'a pas d'importance. Et j'espère que tu rigoles, le nouveau. Si l'un de nous se fait prendre, on est tous foutus, c'est clair? Non, mes parents s'en fichent de toute façon. Ouais, bah ils peuvent toujours t'appeler. Je leur dirais que je dors chez un ami. Mais ils n'appellent jamais. Et à la maison, ils ne me remarquent pas. Oh, le pauvre. T'as de la chance, le nouveau. Moi, je me fais massacrer par mon oncle pour 2 minutes de retard. Mais j'ai du pot, il est pas là en ce moment. Donc, aucun risque. Olive, t'es le premier à monter la garde. Que la fête commence! Ouais, ouais. Non! Laisse-moi tranquille. Ah. Tout ça ne me dit rien qui vaille. Je crois bien qu'ils nous volent notre maison. Oui. Et qu'est-ce qu'ils vont faire s'ils nous voient? Ils vont peut-être nous donner à manger. Vous avez vu celui qui s'appelle Oliver? Il a l'air différent des autres. Il peut peut-être nous aider. Non, pourquoi tu t'es caché derrière ce truc? T'es naze, vraiment! Ouais, je savais que tu me verrais pas. Et t'as vu, tu l'as pris en pleine tête! Je suis un dieu! Ouais, ouais, c'est ça. Ouais. Viens, toi. Hey. C'est quoi ton nom? Qu'est-ce que tu fais ici? Rory, t'es mignon, toi. Qu'est-ce que c'est que ça? Pédigré des Golden Retrievers. Waouh! Ce papier dit que vous êtes 6. Où sont tes frères et sœurs? Vous étiez là? Waouh! Vous êtes à croquer! Il devrait aussi y avoir une chienne adulte. Où est votre maman? Hé, hey, Oliver! On arrête les aboiements. Jimmy dit que c'est mon tour de garde. Oh, excellent, des petits chiens! Biff, attends, chut! Hé, hey, les gars, venez voir ça! Il faut pas faire de bruit. Salut, s'ils les chiens, viennent, ils vont les prendre. Chut. Ça vaut le coup. Oh, des petits clébards! Ah, ils sont trop mignons! Hey, viens là, toi! Hey, toute viens cette là. Excitation! Ah, je peux plus me retenir! Des bébés chiens! Tu voulais nous les cacher, Olive? Non, pas du tout, je viens juste de les découvrir. Qu'est-ce que c'est? Pédigré?
pédigrée, ça veut dire quoi? Est-ce que ces chiens ont obtenu un diplôme? Non, c'est pas du tout ça. Le caniche de ma mère a ce genre de papier. Ça veut dire qu'il a coûté cher. Ah ouais? Et combien environ? Entre 5 et 600 dollars facile. Entre 5 et 600? Multiplié par 1, 2, 3, 4, 5, ça fait dans les 1000 dollars? Non, plus, dans les 3000 dollars. Non, sérieux? Ça nous ferait assez de jeux vidéo et des chips pour les 10 ans à venir. On vient de toucher le jackpot, ouais. Les mecs. Voilà ce qu'on va faire. Charlie, mets une annonce sur Internet. Tu mets un truc du genre à vendre, petit golden retriever. Tous avec pedigree. À vendre, tous ensemble ou séparément. Oh non, il peut pas faire ça, c'est pas juste. Ah, et tu mets le numéro de scooter sur l'annonce, sa voix passe bien. Et Biff, demain, tu ramènes des croquettes de chez toi. Ouais, ok. Et Olive, tu t'occupes des clébards. Tu leur fais faire leurs besoins et tu t'en occupes, tu vois quoi. Je veux pas qu'ils sortent d'ici. Ils quittent cette pièce que pour leurs besoins, c'est tout. Et si tu me déçois, tu peux dire au revoir au gang. T'as pas envie de quitter le gang, j'espère? Non. Dis-moi pourquoi? Parce que vous êtes la seule vraie famille que j'ai. Et comment? Bonne réponse. Ok, les amis, on va s'arrêter là. Je veux que demain, vous arriviez avec de nouvelles excuses. Et au niveau éclate, on passe à la vitesse supérieure. Ça va être les meilleures vacances de Noël de toute notre vie. Wouhou, ouais, ouais. Dès que je l'ai vu, ce Jimmy, j'ai su que ça allait être un problème. Oui, qu'est-ce qui va nous arriver quand on sera sur Internet? Vous savez à quel point les gens aiment les petits chiens. Si ça se trouve, demain, on sera vendu et en plus à des gens différents. Rory, qu'est-ce qu'on peut faire? Je ne vois qu'une seule solution. Il faut qu'on trouve un moyen de sortir d'ici et retrouver maman. Comment on va faire? Allez, Noël, je te domine, c'est toi. Tiens, voilà ce que tu prends, trop par là. Super combo en pleine face. Sors-le maintenant, maintenant. J'ai une batte de baseball, ok? Ouais. Je crois que t'as pas compris les pouvoirs que j'ai. Ouais, ça va. Allez, le super combo. Ouais, moi aussi, je vais essayer. Ouais. 1, 2, 3. Ouais. Et là, tu te peux être la chance, c'est tout. Humiliation. Ouais, c'est ça. Voilà ce que tu prends. Vous ne pouvez pas sortir par là. Allez. Non mais attendez. Vous n'êtes que quatre. Scarf, Snoozer, Jumper, Tinkle. Allô? Ah, salut. Non, rien, je suis avec des amis, pas. Qu'est-ce que t'as dit? Vraiment, maintenant? On va jouer au foot tous les deux? Ok, j'arrive. Tu bouges pas, d'accord? Les gars, cherchez Rory et soyez sages. À tout à l'heure. J'avais mis mon sac là. C'est le moment ou jamais. Espérons que ça marche. Hey Jimmy, je dois rentrer maintenant. Mon père m'a dit qu'il voulait que je fasse un truc. Sois pas trop long, compris, et profites-en pour nous ramener un paquet de churros en revenant. Ok, d'accord, pas de soucis, à tout à l'heure.
Je sais, monsieur Ames, votre frustration est naturelle. Vous avez certes refait la climatisation, mais ce n'est pas ce qu'on voit de l'extérieur, vous comprenez? Les apparences comptent, vous savez. Et soyons honnêtes, les tuiles de votre toit ne sont plus du tout au goût du jour. À votre place, j'en demanderai 375 000. Vous réfléchissez? D'accord. Au revoir. Ah, chérie, ça va? Tu t'es bien amusée avec tes amis? Oui, oui, papa. Il a dû aller dans le centre pour voir monsieur Garvey au local associatif. Mais il vient de m'appeler. On doit jouer au foot au parc, tous les deux. Monsieur Garvey a besoin de son aide. Tu comprends? Encore? Le monde ne s'arrête pas de tourner parce qu'on est en week-end, chérie. Moi, aujourd'hui, j'ai 3 nouveaux biens à vendre. Ouais, d'accord. Donc c'est la 3e fois qu'il me fait faux bond. Oliver, il a beaucoup de travail, d'accord? Il y a des priorités dans la vie. Demande-toi toujours quelles sont tes priorités. Mais si tu veux, tu peux mettre ton vélo dans le coffre et je te déposerai au local qui est plus ou moins sur mon chemin. Dès qu'il aura fini, vous irez jouer tous les deux. Qu'est-ce que t'en dis? Ah, pardon. Allô? Ah, Madame Lee, je suis ravie que vous appeliez. Je viens de recevoir 3 nouvelles villas que vous allez adorer. Viens, chérie, on y va. Oui, dont une qui a un toit assez vintage qui lui donne un charme particulier. Et c'est très rare dans ce quartier. Oui, je suis impatiente de vous les faire visiter. Faut pour 10 heures ou plus tard? Ah, ok, pour 10 heures. Viens, viens, fais le tour. Oui, oui, d'accord, merci. Oui, oui, monsieur Garvey. Non, 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 aucun problème. Non, 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 profitez de votre golf, vraiment. Ça ne me pose aucun problème. Oui, eh bien sûr. Vous aussi, merci. Salut, fiston. C'est ça, salut. Écoute, Oliver, je suis désolé, tu es déçu, je comprends, et je ne t'en veux pas. Mais le comité d'entreprise va donner une fête en l'honneur du club de Santa Rita pour Noël dans 2 jours, et pour l'instant, on n'a pas avancé dans l'organisation. Monsieur Garvey m'a demandé si je pouvais lui donner un coup de main ce matin, histoire d'avancer un peu. Un coup de main? Alors il porte sa cape d'invisibilité aujourd'hui? Oliver, monsieur Garvey est le patron de la banque dans laquelle je travaille. Ces derniers temps, beaucoup de gens ont été licenciés. Je ne peux pas me permettre, notre famille ne peut pas se permettre que je perde mon travail. Tu comprends ça? Ouais, je comprends. Mais dès que t'as fini, tu promets? Dès que j'ai fini, on joue au foot, je te le promets. D'accord? D'accord. Parfait. Bon. Oui, Madame Johnson. Non, 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 non. J'ai déjà Jérémy, Tony, Ben... Oui, 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 monsieur Dolores, non, aucun souci, qu'elle vienne, bien sûr, j'en serai ravi. D'accord, je la compte dans ce cas. Pour l'instant, nous avons 10 enfants et 40 adultes. Quoi? Comment ça se fait? Laissez-moi voir. Je l'ai noté quelque part, mais je sais pas où. J'ai 7 tables et 56 chaises, ça devrait aller, non? Vous inquiétez pas, c'est parfait. Jeff Richmond? Non, 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 c'est impossible, il me les faut pour 10 heures au plus tard. Allô? Ah, oh, c'est toi, Steve. Ça te dérange pas si on se rappelle plus tard? Génial. À toutes. Ciao. Jeff Richmond? Bonjour. C'est bien Lisa Wilson à l'appareil? Voyons ça. Lisa Wilson est à qui? Non? Ah, d'accord. Désolé. Gracias. Oh, monsieur Garvey. Votre femme a de nouveaux noms à rajouter sur la liste? Ouais, d'accord. Laissez-moi attraper un stylo et je suis à vous. Je sais pas si tu réalises à quel point je t'ai soumis dans la dernière partie. Ah, arrête, les 20 parties d'avant, tu faisais de la peine. Ouais, enfin, n'empêche qu'à la dernière, t'as pas vu le jour. C'est moi qu'il va falloir que je te redonne une leçon. Que tu parles, j'ai compris le truc maintenant. C'est fini, la belle époque. On verra tout à l'heure. C'est le moment. Allez, on court. Vous rêvez, là? Vous restez ici. Vous avez encore un Noël à me payer. Allez, on retourne dans le jardin. Je vais vous faire un record de vitesse. Ouais, bah moi j'ai pas envie. Les gars, attendez! C'est moi le chef! C'est moi qui dois être devant! C'est quoi ce vélo tout pourri? Saleté! Avance! Ah! Peut-être qu'il vaut mieux qu'on attende Rory. On peut compter sur lui. Qu'est-ce qu'on fait s'il échoue? C'est pas le seul à savoir se débrouiller. Je suis le plus vieux après lui. Oui, mais c'est le plus intelligent. Je suis sûre qu'il a une super idée. Vous savez quoi? Quelque chose me dit que tu as raison, Tingle. Merci infiniment. Au revoir. Jeff Richmond?
Ah, bonjour, Monsieur Johnson. J'ai bien peur que le remboursement que vous deviez effectuer ce mois-ci ne nous soit pas arrivé. Oui, je sais que c'est bientôt Noël. D'accord. Entendu. D'accord. Au revoir. Freshman ? Oui, j'avais déjà prévenu Mike. Il y aura Jeremy, Tony et Ben. Vous l'avez noté ? Parfait. Vous aussi. Ah, voilà. J'y suis presque. Il faut que j'ouvre un peu plus. Encore un peu. Voilà. Jeff Freshman ? Pas, je vais jouer dehors. D'accord. Oui, oui, ah oui, 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 bien sûr, aucun problème. Qui m'envoie un fax, je m'en occuperai. Rory, qu'est-ce que tu fais là? Comment t'es rentré? T'as retiré mes livres? Il faut que je te ramène dans la maison. Si Jimmy voit que tu n'y es pas, il va me tuer. En route. Désolé, il faut que je te laisse, j'ai des paquets cadeaux à faire. Ok, bien sûr. À plus tard. Oliver, heureusement que t'es de retour. Les petits chiots ont disparu. Non, j'ai Rory dans mon dos, enfin dans mon sac. Tu veux dire qu'ils se sont enfuis? Et sûrement, j'ai cherché partout et je les ai pas trouvés. Ah, et le portail était ouvert. Je crois qu'ils ont réussi à trouver un moyen de tirer le loquet. Oh non, ils doivent chercher leur mère. Ouais, ben il faut que tu les retrouves. Quand Jimmy et les autres reviendront, ils vont nous étriper si on les a pas ramenés. Je veux bien, mais je sais pas comment les retrouver. Moi je sais, je peux les retrouver par l'odeur. Suis-moi. Rory, reviens, où est-ce que tu vas? Alors, tu sens encore l'odeur de maman? J'ai pas dit que je sentais son odeur, j'ai dit que je pensais sentir son odeur. Alors, tu l'as senti ou tu l'as pas senti? Moi au moins, j'essaie de trouver une piste, pas comme d'autres. J'étais sûre qu'on n'aurait pas dû partir sans Rory. S'il vous plaît, arrêtez de vous disputer. Il faut qu'on retrouve maman. Quelqu'un sent quelque chose? Oui, moi je sens quelque chose. À manger! Attends, moi aussi j'ai faim. Oh, je suis pas sûre qu'on a le droit d'être là, mais tant pis. Par ici, venez. Je crois qu'on a touché le gros lot, les amis. Ouais, génial. Ah ouais, il y a du poulet. Ah, c'est le rêve. Et regardez ça, il y en a assez pour tout le monde. Je n'en suis pas si sûr, muchachos. Regardez, on dirait le chihuahua de Paris Hilton en plus classe. Tu crois que tu peux nous arrêter? Le minus. Moi? Non. Ma mes amigos, ils le peuvent. Bonjour, messieurs. Oh, dis-moi, vous pensez que vous avez le droit d'être ici? Eh bien, vous comprenez, on avait faim et Scarf a senti la nourriture, alors on s'est dit qu'on pourrait juste... Voler la nourriture des autres. Voler? Oh non, pas vraiment. On voulait juste grignoter, renifler et peut-être mettre un petit bout de museau. C'est chez nous, ici. En fait, le quartier entier est notre territoire. Vous savez ce qu'on fait aux animaux étrangers qui rentrent sur notre territoire? Vous les mangez? Non, pas au début. D'abord, on les tue. Ensuite, on les dévore. Et ensuite, on enterre leurs petits os. Et vous en avez dévoré beaucoup de petits chiots? Des centaines. Et c'est moi qui ai le plus gros appétit des trois. Vous préférez pas attendre le prochain groupe de petits chiots bien dodus? Parce que nous, on vous laisse. Bande de petits clébards tout pourris, attrapez-les. Arrive! Courez! Courez! Allez les gars, rattrapez mon goûter! Vaut mieux pas faire de vieux os ici. Allez, allez!
Arrive. Oh, ils vont nous rattraper. Par ici. Ouais, bonne idée. Ils ont tourné à gauche. Tunnel, muchachos. Et plus vite. Pas de pitié. Oh non, c'est un cul-de-sac. On n'arrivera pas à passer au-dessus. On est piégés. Il faut revenir sur nos pas. Un, deux, trois, quatre. Quatre petits chauds bien tendres. Et ouais, ça va nous faire un petit repas bien juteux. Il y aura même quelques restes. On y va chercher. Allez chercher votre repas ailleurs, les vilains. Oh, c'est Rory. Ouais. Vous feriez mieux de continuer à manger les ordures, bande de brutes. Et avant le dîner, c'est l'heure de la douche. La douche? Eh, ils vont pas faire ça. Oh non, non. Oh, je déteste l'eau. Je suis tellement contente de te voir. Oui, et aussi contente de voir notre nouvelle amie. Écoutez, je sais ce que vous cherchez. Mais pour l'instant, il faut qu'on rentre. Si Jimmy se rend compte que vous n'êtes pas là, nous serons tous dans de beaux draps. Mais je vous le promets, on va retrouver votre maman. Vous n'êtes pas allé au parc? Non, j'ai été retenu encore une fois. Il est revenu? Je l'ai pas vu, mais moi aussi, je viens de rentrer. Il doit être en train de s'amuser tout seul. Bon, moi, il faut que je reparte. Je dois aller voir la maison du maire à 3h30. Ah. Gervais veut que je le rejoigne au local de la fête à 4h. Ça doit être pour une histoire de décoration ou un autre détail. Ok, tu te souviens que tu dois acheter ce que j'ai mis sur la liste pour Noël. Ensuite, on dîne chez les Hastings à 7h. Et il ne faut pas les contrarier, sinon c'est pas moi qui vendrai leur maison de campagne. D'accord. Allez. À tout à l'heure. Je file. Jessica. Oui. Tu n'as jamais eu l'impression que nous ne prenions pas assez de temps, tu vois? Qu'on négligeait certaines choses. Comme quoi? Je ne sais pas. La fête de Noël, notre famille, la vie. C'est ça notre vie, chérie. Ouais. Travaille bien. Sacré vie de fou. Attends, tu veux faire quoi maintenant? Les petits chiens ont besoin de prendre l'air. Je vais faire le tour du quartier. Et il y a assez d'air dans le jardin. Et oublie pas de nettoyer là où ils dorment. Mais j'ai mis une pancarte à vendre. En les voyant, les gens auront envie de les prendre. Ouais, bonne idée. Mais tu ramènes les clients ici pour nous payer. Et va pas croire que tu vas prendre un pourcentage. Entendu. Ok les gars, je vais vous emmener jusqu'au refuge des animaux et je vais tâcher de me renseigner. Si vous repérez l'odeur de votre mère, vous aboyez. C'est cool ce qu'on fait. J'espère que vous êtes pas malade en chariot. Qui est-ce qui marche sur ma queue? Wouhou! Oh, toute cette excitation. Vous savez que c'est pas bon pour moi. Ça me donne envie de faire... Oh non, 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 c'est moi qui suis derrière toi. Pas lavé depuis longtemps. Est-ce nos heures, tu serais pas en train de t'endormir? Bah c'est confortable en fait. Tu t'endors partout de toute façon. Vous vous souvenez quand il s'est endormi sur la tête de maman? Oh, c'était trop drôle. À un moment elle a éternué et c'est à peine s'il a pas été projeté jusqu'au jardin. Oh.
Je sens quelque chose. C'est maman. Oh, je reconnais son odeur. Mais vraiment, tu es sûr? Oui. Oliver, arrête-toi ici. Elle est forcément là. Tu as beaucoup de chance. On a reçu une femelle Golden Retriever hier. Elle est chez le vétérinaire pour des vaccins. Je suis sûre que c'est maman. Je savais bien que c'était son odeur. Et donc, je peux la prendre? Je peux l'adopter? Oh, bien sûr, mon grand. On serait ravis de la placer dans une bonne famille avant le réveillon. C'est génial. Quand est-ce que je peux la récupérer? Tu pourras l'emmener dès demain matin, avec la permission écrite de tes parents. Et $200 pour l'adopter. De mes parents? Et $200? Oui, c'est indispensable. C'est comme ça qu'on nourrit tous ces animaux. Ça pose problème, mon garçon? Non, bien sûr que non. Voilà mon téléphone. Et appelez-moi dès que je peux venir la chercher. Marché conclu. Merci beaucoup. J'attends votre appel. Venez. Venez voir maman. Comment ça va, toi? Oh. Ça va aller. Je vous la ramènerai. Je trouverai un moyen d'avoir les $200. Je ne sais pas comment, mais j'y arriverai. C'est une promesse. Allez, je vous ramène à l'intérieur. Il arrive! Ok, les gars, en piste, à nous de jouer. Et il a besoin d'argent pour un truc. $200, ça tombe bien, non? Ouais, on peut utiliser ça. Changer de place. Ok, maintenant, pleure! Mais pas comme ça, espèce d'idiot! Je veux des vraies larmes! Attention! Ouais, c'est mieux. Et vous deux, prenez l'air triste, sinon je vous casse la tête! Hé, les gars, j'ai pas d'acheteur, mais beaucoup de gens voulaient... Et qu'est-ce qui lui est arrivé? Raconte-lui, Jimmy! Si tu savais, le pauvre. Viens, assieds-toi. Bon, c'est bientôt Noël, pas vrai? Oui, dans 2 jours. Et tu sais à quel point Charlie adore sa maman? De ce que j'avais entendu, il avait pas l'air de beaucoup l'aimer. Il dit tout le temps qu'elle est... J'aime ma mère, mec! Si tu savais comme je l'adore! Donc Charlie adore sa mère, ok. Et il a économisé pour lui offrir un super cadeau pour Noël depuis des semaines et des semaines. Des mois et des mois. Des années! Des années! Des années! Ça va, on a compris l'idée. Donc, à la fin, il a eu assez d'argent. Et ce matin, il va chez Goldmeyer pour acheter un collier. Un super joli collier. Des perles. Des perles gros classe. C'est parce que je l'aime tellement. Hé, hey, arrête. Donc, il choisit le collier. Et juste avant de donner l'argent, il voit Timmy Gitson. Et Timmy vole le collier. Quoi? Ouais. Il a pris le collier discrètement, il l'a mis dans sa poche et il est sorti en gardant son naturel. Ni vu ni connu, je t'embrouille. Sauf que moi, je l'ai vu. Il faut aller voir ses parents ou la police. Non, on peut pas. Pourquoi? Parce que les flics sont déjà dans le coup. Ouais. La police, t'es sûr? Enfin, ce qu'il veut dire par là, c'est que la police enquête sur Timmy. J'ai entendu dire que c'était pas son premier coup. Un genre de voleur en série. Mais pourtant, Timmy, il aide tout le temps les autres. Non, c'est juste une couverture. C'est ce qu'il a trouvé pour couvrir ses vols. Wow, j'étais loin d'imaginer ça. Ouais, et pourtant c'est la réalité. Et franchement, on aime bien Timmy. Et on n'a pas envie qu'il ait des problèmes avec la police et qu'il aille en prison. Ça fait pas très Noël. Ouais. Donc on s'est dit que la meilleure chose à faire, c'est de récupérer les perles et de les rendre à la bijouterie. Et pour ça, on a besoin de toi. De moi? Ouais, demain Timmy et toute sa famille vont faire les courses de Noël. Du coup, la maison sera vide. Et toi, t'es juste assez mince pour passer par leur fenêtre. Il y en a toujours une ouverte derrière. Je sais pas trop. Écoute, y a pas de risque. Nous, on surveillera les alentours. Si quelqu'un arrive, on fera en sorte que tu t'enfuis. Et il y a encore un tout petit détail. Un détail? Pas l'argent.
Les 200 dollars. La bijouterie a promis une grosse récompense à celui qui ramène le collier. De 200 dollars. Et on s'est dit que vu que c'est toi qui vas le voler... vu que c'est toi qui vas le récupérer, tu devrais recevoir l'argent. 200 billets pour toi tout seul. Ah oui? Je t'en supplie, fais-le, Oliver. Pour Charlie. Pense à sa maman. Oui. Pour ma maman. Et pour Timmy, il a déjà assez de problèmes. C'est ça aussi l'esprit de Noël. S'il te plaît, Oliver. S'il te plaît. Fais-le pour nous. Fais-le pour maman. Ok, il est 10h00. Timmy et ses parents devraient être partis. T'es sûr que c'est une bonne idée? On sera revenus en un rien de temps, Olive. Avec dans les poches tes 200 dollars. À mon commandement, en avant toutes. Rory, viens voir, ils sont partis. Vu qu'on sait ouvrir le portail, on va voir maman. Non, attendez, on peut pas faire ça. Mais pourquoi? Oui, pourquoi? Parce que j'ai surpris une conversation entre Jimmy et Charlie. Vous vous souvenez de l'histoire du collier? C'est un ramassis de mensonges. Je me disais bien que c'était un peu bizarre. Le Timmy en question n'a pas volé le collier. Il l'a acheté pour l'offrir à sa mère pour Noël. Et maintenant, il faut en sorte qu'Oliver le vole à Timmy. Vous comprenez? Oh non! Oui, mais... Et notre maman? Si Oliver n'obtient pas l'argent, nous ne reverrons jamais maman. Écoutez, on trouvera un moyen de la délivrer. En tout cas, on ne peut pas le faire comme ça. Parce que là, c'est du vol. Oliver peut avoir de très sérieux ennuis. Il faut absolument qu'on les arrête. Mais comment? On y est. Ils ont l'air d'être partis dans les temps. Alors voilà ce qu'on va faire. Charlie, tu surveilles de ce côté. Biff, tu montes la garde derrière. Scott et Olive, vous venez avec moi. Et elle est de quelle couleur, leur voiture? C'est une japonaise, elle est grise. Ok. Si vous voyez une japonaise grise arriver, vous faites... Ouh, ouh. Ouh. Ouais, oui. Ouh. Non, ouh. De où est-ce qu'on fait ouh? Quoi? Non, pas quoi, ouh. Oh, fais n'importe quel son, idiot. Aïe. Charlie, il est où, le collier? Le père de Timmy. Enfin, je veux dire, Timmy l'a caché dans la chambre d'amis. Tiroir du bas au milieu. Tu retiens ça, Olive? Oui, tiroir du bas au milieu. Mais je pense vraiment qu'on devrait... Arrête de penser, ici c'est moi qui pense. Allez, en position tout le monde. Scoot et Olive, en avant. Ça y est, ils y vont. Rory, il va falloir qu'on soit très prudent. Si Oliver se fait prendre, on ne reverra peut-être jamais maman. Je sais. Bon, allez, vous trois, vous attendez ici. Scarf, toi tu viens avec moi. Si vous sentez un danger, vous n'avez qu'à aboyer 3 fois. D'accord. Allons-y. Dépêche. Allez. Comment on va faire? Aucun d'entre nous ne saute si haut, même pas Jumper. Il faut qu'on trouve un autre moyen d'entrer. Viens. Ah ben voilà, une entrée pour les chiens. Je pense qu'on peut y arriver. Mon frère, c'est pas une porte pour les chiens, c'est trop petit. C'est une porte pour... les chats. Ça complique tout. Oh, arrête, Scarf. Tu vas pas me dire que t'as peur d'un petit chat de rien du tout. Oh non, j'ai pas peur. Mais, par contre... je suis allergique. Alors ça, c'est pratique. D'accord, je vais y aller tout seul. Toi, tu montes la garde. Si tu vois le chat, tu n'as qu'à... éternuer. Bon, j'aurais préféré que tu aboies, mais tant pis, on va faire avec. Heureusement que les chats font de mauvais chiens de garde. Mmh.
C'était quoi, ça? Et c'est bon. Maintenant, si ça tourne mal, on peut dire que c'est Oliver qui a tout fait. Quelle bande de voyous, je te jure. Il est entré. Je pense qu'on va avoir des ennuis. Ils sont revenus plus tôt. Il faut prévenir Oliver. Qu'est-ce que tu fais, idiot? Et il va se faire attraper. C'est son problème. Toi aussi, tu veux aller en prison? Allez, maintenant, c'est chacun pour soi. Allez, on se tire. Ces enfants sont des lâches. Ils abandonnent Oliver. Oh non, c'est une catastrophe. Oliver va se faire attraper. Il faut agir. Laissez-moi faire. Snoozer, qu'est-ce que tu fais? Ils vont te voir, reviens. J'espère bien qu'ils vont me voir. C'est incroyable, être en rupture de guirlande à Noël. Comment on va faire pour le sapin maintenant? Eh bien, je pense qu'on va devoir faire comme au bon vieux temps, avec des guirlandes en pop-corn, comme le faisaient tes grands-parents. Je m'occupe des pop-corn. Maman, regarde le petit chien. Il est blessé. Oh non, pauvre chien. Oh, viens voir. Salut le petit chien. N'aie pas peur. Mais qu'est-ce que t'as, moi? Appelle le vétérinaire. Oui, d'accord. Fais voir ta patte. Oh. Ah, voyons. Ça va pas suffire. Ils vont finir par rentrer. Venez. Oh, de la compagnie. Bonjour. Ah, ça sort d'où tous ces chiens? Il a tout dit. Bonjour. Rory, non! Repose ça tout de suite! Rory, qu'est-ce que tu fais? Oh. Oliver, vite, ils arrivent! Allons-nous-en! Non, sors par là! Vite! Dépêche-toi! Rory, laisse tomber! Allons-nous-en, Rory, de l'intérieur! On n'a pas le temps, Oliver! Il a réussi à sortir. Oh. Ils s'enfuient tous. C'est toi qui l'as guéri, papa. Il était blessé, non? Génial. Allez, on s'en va. Ah, les voilà. Salut, les gars. Qu'est-ce que vous faisiez là, hein? Hé, hey, Rory, qu'est-ce que tu as fait du collier? Qu'est-ce que c'est que ce bazar? On dirait qu'un cyclone vient de passer. Qui aurait pu faire ça? Fluffy? Quoi? Un collier, ça donne l'air super classe. Biff, il faut qu'on quitte ce gang. Ouais, t'as raison. C'est justement ce que je me disais. Si ça continue, on va finir en prison. Et c'est Noël demain. Je vais être à la maison avec ma famille. Là, je suis bloqué avec un groupe de jeunes délinquants. Il faut qu'on retrouve d'abord la mère des petits. Elle leur manque, ça se sent. Chut, silence. Ramène-les au repère. Dis-leur qu'ils s'étaient enfuis, mais que tu les as retrouvés. Ouais, d'accord. Tu leur dis que j'ai réussi à m'enfuir. Je vais voir si mes parents peuvent aider. J'espère qu'ils vont m'écouter cette fois. Entendu. On se retrouve ici ce soir. On fait sortir les petits chiens et on ne revoit plus jamais ces brutes. Ça me va. Et si tu pouvais revenir vite? Je suis plus du tout à l'aise à l'idée d'être avec eux.
Tu veux quoi pour Noël? Un chien. Non mais attends, tu... t'avais dit à ton père que tu voulais une cage de football pour la mettre dans le jardin. Non, je préfère un chien. Cette fois, c'est sûr. Un Golden Retriever. J'en ai vu une et je veux la prendre. Comment ça? Où ça? Je l'ai vue au refuge Belle. Et je veux la voir avant les fêtes, tout à l'heure. Du coup, elle pourrait être avec nous à Noël. Chérie, ça ferait beaucoup de changements, tu sais. Ça complique tout d'avoir... Donc, il faut 200 dollars pour pouvoir l'adopter. Comme ça, on peut la prendre maintenant. Oliver, qu'est-ce que c'est que ce cirque? Et qui va le sortir, ce chien? Je te signale que tu n'es pas très souvent ici. Oui, mais c'est parce que vous êtes toujours occupé. C'est toujours pareil. Soit t'es au téléphone, soit tu prends tes affaires et tu pars. Il faut bien qu'on gagne notre vie. On travaille dur pour toi, tu sais. Et c'est aussi pour qu'on ait une grande maison et tout le reste. Oui, mais moi, j'en ai rien à faire. J'ai envie d'être avec papa et toi. Vu que c'est pas possible, maintenant, je veux un chien et aujourd'hui. Là, j'abandonne. Une dernière chose. Il faut qu'on prenne aussi ces chiots. Ils sont 5, maman. C'est complètement délirant. Tu vas monter dans ta chambre immédiatement et quand ton père sera là, nous allons avoir une discussion sur ton comportement inquiétant. Non, je refuse de monter dans ma chambre. Je m'en vais. Je vois pas pourquoi je resterai alors que personne ne m'écoute. Et je ne reviendrai pas. Adieu. Salut, mon grand. Ça va? Quant à toi, t'as qu'à carrément te mettre à vivre au bureau. T'es prêt? Oui, mais... Où sont les petits chiens? J'ai essayé, mais j'ai pas pu les sortir. Oliver, il faut que je te dise quelque chose. Laisse tomber. Je croyais que tu pouvais m'aider. Reste ici et attends-moi. Ou je sais pas, fais ce que tu veux. N'y va pas, Oliver. Non, reviens! Vous êtes. Où est-ce qu'ils sont? T'aimerais bien le savoir, hein, petite fouine? C'est ça, le gamin dont tu parlais? Hé, hey, les gars, c'est Olive. Félicitations d'avoir réussi à t'enfuir. Désolé d'être parti sans toi. Mais la police s'est pointée et ça devait être les forces spéciales. C'est qui, lui? Ah, Olive, je te présente mon oncle. Ton oncle? Frank Fagan. On peut lui faire confiance. Il était derrière à quatre pattes à chercher ses copains. Qu'est-ce qu'ils font ici? Ils ont essayé de s'enfuir. On dirait bien que quelqu'un leur a donné un coup de main. Celui-ci se cachait à côté du garage. Il a pris ses jambes à son cou, mais il court pas très vite. En tout cas, pas assez pour Ralph sans orteil. Ralph sans orteil? Ouais, je les ai coupés pour toucher une pension. Ça te pose un problème? Non, aucun. Hein? Non. Alors, les enfants. Jimmy m'a mis au parfum de vos petites activités. C'est pas mal. Cependant, moi je vois plus grand. Beaucoup plus grand. Vous allez appeler vos parents. Dites-leur que vous allez rester chez un ami. Et demain, je vous dirai ce que j'ai prévu. Et quand ce sera fait, soyez gentils. Donnez votre téléphone à Ralph. Ça vous évitera de tout dire à votre amoureuse. Ou à la police. Enfin, vous voyez quoi. Mais recouvrez-moi ces bestioles, histoire qu'elles dorment. Ça va être leur fête demain. Qu'est-ce qu'il veut dire? Un type a répondu à l'annonce. Il achète plein de Golden Retriever pour sa boîte de fourrure en Chine. Je crois que les manteaux de Golden Retriever, ça marche bien là-bas. Il prend tous les chiens, même les petits. Quand je fais ça, tu me files le manteau. C'est pas compliqué. Je claque des doigts, tu me files le manteau. Ouais, claquer des doigts. Non, je comprends, Oliver. Reste dormir chez ton copain, tu as notre accord. Demain, c'est le jour du réveillon. On doit être à la fête de ton père à 1 heure. Je veux que tu sois à la maison à midi, d'accord? Oh.
Il a dit qu'il restait cette nuit chez un de ses amis qui s'appelle Rory. Tu le connais ? Non, pas du tout. Je suis inquiète. Ces derniers temps, je trouve qu'il a changé. Pendant ses vacances, on a dû le voir 2 ou 3 fois. Et maintenant, tout à coup, il veut qu'on lui achète un chien. Peut-être qu'il a raison. Quoi ? De vouloir un chien ? Non. Ce qu'il a dit sur nous. Ça fait longtemps qu'on ne passe plus beaucoup de temps ensemble. Et quand je dis longtemps, ça veut pas dire 2 semaines. Oui, enfin, d'accord. Seulement, on a un certain nombre d'obligations. Ah oui, je sais. On a l'abonnement au club de golf, les voitures, la maison et... Et avec l'état actuel de l'économie, il faut qu'on travaille 2 fois plus si on veut pouvoir maintenir notre niveau de vie. Alors peut-être qu'on devrait diminuer nos dépenses et se concentrer sur les choses de la vie qui ne s'achètent pas. Le club de quartier pour garçons est... Lis-le, toi. J'ai oublié mes lunettes de lecture à la maison. Je crois que j'ai du savon dans l'œil. Oui, je vois un peu flou. Tiens, Jimmy, lis-le, toi. Harold Garvey, directeur de la célèbre banque Santa Rita, a annoncé aujourd'hui que la banque s'apprête à faire une donation conséquente au club du quartier de Santa Rita. La généreuse donation sera de $10 000 en liquide. L'argent sera offert lors de la fête organisée par la banque le jour du réveillon de Noël. Le fondateur du club, Roy Williams, qui comme tous les ans se déguise en Père Noël pour distribuer des cadeaux aux jeunes du quartier, recevra la récompense des mains du directeur de la banque. Alors, ça vous dirait pas de vous faire un joli petit paquet de fric pour une fois ? Tu veux les faire rentrer dans le club, Frankie ? Non. C'est nous qui allons être le club. Bah comment tu vas faire pour que les vrais abandonnent ? Ralph, rends-moi service, boucle-la. On va s'incruster à cette petite fête en prenant la place de ces nazes. Toi, tu seras le Père Noël. Tu auras tout comme lui, la barbe, le chapeau, la totale. Et les gens croiront que c'est le vrai. Ça va être moi le Père Noël ? Ouais. Et je serai ton assistant. Ça, c'est une première, c'est moi le patron, alors. Tu es désespérant. On va faire semblant, toi, saisir. On va kidnapper les membres du club. On va les kidnapper. Vous, les gars, vous serez déguisés en elfes. Les costumes sont dans cette boîte, d'accord ? On se pointe à leur banque. On se prend 2-3 cocktails. On se fait refiler le pognon. Et Ralph et moi, on quitte la ville. Ah, et bien sûr, je vous donnerai votre part avant. C'est au réveillon ? C'est aujourd'hui, non ? Toi, t'es un génie. Eh oui, c'est ce soir et je ne vous donnerai aucune chance de vous défiler. Et si vous prévenez qui que ce soit, ou que vous faites foirer mon coup, Jimmy sait où vous vivez. Pas vrai, Jimmy ? Ouais, c'est vrai. Et avouez que ce serait de bien tristes vacances. Si en rentrant chez vous, le soir de Noël, vos parents n'étaient plus là. Et qu'ils ne reviendraient jamais. Vous êtes avec moi. On vous décevra pas. Parfait. Les costumes. Enfilez-moi ça. Et c'est le gars que j'attendais. Je vais voir s'il a amené le fric. Et mettez les clébards dans un sac. Allez, bouge, quoi. Quand je te dis de bouger, tu bouges. Les petits chiens sont pas là. Quoi ? C'est toi qui as fait ça, Olive ? Ils méritent d'être avec leur mère, et je vous jure que vous ne les trouverez jamais. Ah ouais. Tu vois cette photo ? Si les Klebs ne reviennent pas, cette photo va finir au commissariat. T'as de la chance qu'on soit sur le départ. Disons que je te laisse 24 heures. Et maintenant, change-toi ! Alors ? C'est ce que je pensais. Oliver a des ennuis. Jimmy va montrer la photo à la police si on ne retourne pas à l'intérieur. On peut pas faire ça. Si on y retourne, Jimmy va nous vendre. Et on sera envoyé en Chine. Qu'est-ce qu'on fait alors ? Moi, ce que je dis, c'est qu'on récupère maman. On sait où elle est maintenant. Et on peut plus rien faire pour Oliver. Non ! Oliver nous a aidés depuis le début.
On ne va pas l'abandonner. Je suis d'accord avec Rory. On va pas le laisser se faire arrêter. Moi, je suis avec Jumper. Je l'aime bien, mais c'est trop tard. Faut qu'on pense un peu à nous. On est deux pour et vous êtes deux contre. Ça veut dire qu'il n'y a que toi qui puisse nous départager, Tinkle. Non, je déteste quand c'est moi qui dois décider à la fin. En plus, ça me donne vraiment envie. Non, Allez, on y va. Quoi? C'était en promo. Ça gratte dans le cou. Pourquoi tu t'es pas changé, toi? Et tu crois que je vais me balader dehors avec cette dégaine? Mais moi aussi, je voulais. Tais-toi, immonde. Ce foutu téléphone sonne depuis ce matin. Je peux le broyer, si tu veux. Refuge pour animaux? Allô? Bonjour, Mildred Bell du Refuge des animaux. Pourrais-je parler à Oliver Richmond? Je suis son père. Vous lui voulez quoi, mon fils? Vous pouvez lui dire que la femelle Golden Retriever a finalement été adoptée ce matin. Je suis vraiment désolée, mais le monsieur qui la voulait a beaucoup insisté pour la prendre sur le champ. Non. Ouais, pas de problème. Dites, vous n'auriez pas par hasard récupéré des petits Golden ce matin? Les nôtres se sont enfuis, alors si ça se trouve, on vous les amène? Oh non, désolé, monsieur. Mais nous avons des chiens un peu plus vieux, adorables, qui cherchent un bon foyer. J'avais espéré qu'on les retrouverait facilement. Tant pis, on a plus important à faire. Alors, les petits elfes, vous êtes prêts? C'est une très belle cloche, Mike. Merci beaucoup. On est bientôt prêts, Monsieur Garvey. Les enfants arriveront dans 5 minutes. Vous n'avez pas de raison d'être aussi tendu, Jeff. Regardez tout ceci. Vous avez fait un excellent travail. C'est pas vraiment la fête qui me cause des soucis, monsieur. C'est plutôt d'ordre familial. Je pense que votre famille devrait être fière de vous. Je suis sûr que ce sera la meilleure fête de Noël que la banque ait connue. Vous avez vu ce sapin, Jeff? Regardez comme il est joli. Oui, c'est oh, hein? Et ce soldat extraordinaire. J'adore ce jouet. Les vrais membres du club devraient arriver par ce côté-là. Il nous suffit de les intercepter. Toi, tu vas à l'arrière et tu attends, d'accord? Le monsieur, il fait le tour et puis il attend. Eh, hey, tu crois quoi? Que je suis un crétin fini? Je préfère ne pas répondre. Je crois que je vais perdre mon sang-froid. Vous deux, au boulot. Allez! Elfe. Tu te prends pour qui? Ah oui, je suis un elfe, c'est vrai. On a une entrée spéciale pour vous là-bas. Vous ne voulez pas que je dépose les enfants à l'entrée? Non, trop de fous furieux dans ce coin. Il suffit d'un mec qui rate un virage et badaboum. Il n'y a plus personne dans le club. Utilisez la porte de derrière. Oh, on va faire comme ça alors. Ok, génial. Allez, magne. Les enfants, on avance. Allez, Kevin. J'arrive. Bonjour. On se revoit au nouvel an, hein? Allez, on monte. Allez, on se dépêche, les bouffons. Pardon, les elfes. Allez. Mission accomplie. Vous, je veux pas vous entendre. Et vous jouez le jeu. Hésite pas à dire ho, ho, ho tout le temps. Joyeux Noël! Bienvenue pour Noël! Ho, ho, ho!
La fête de Noël va bientôt pouvoir commencer. Ensuite, de ce côté-là, vers le fond, vous avez le stand « Décorer vos parents ». Et franchement, les enfants adorent ça. Et bien sûr, nous avons prévu des tonnes de cadeaux pour vos lutins. Ho, ho, ho ! Ho ! Oliver, il faut que tu parles à ton père. Dès que l'oncle de Jimmy a l'argent entre les mains, il partira en courant. Je sais, mais il faut qu'on attende qu'il prenne l'argent. Comme ça, il ira en prison. Il va nous falloir de l'aide. Mais je ne vois pas qui. T'as vu, le cadeau a bougé? Ah ouais? Rory, mais qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que vous faites tous ici? Ne t'inquiète pas, Oliver. On a la situation sous contrôle. Et si on laissait les enfants jouer, ensuite on pourrait profiter du buffet. Oh, ensuite... oh, quand est-ce qu'on reçoit le fric? Excusez-moi. L'argent, le flouze, le pèse. Ah, je crois que Ralph, enfin le Père Noël, Monsieur Williams suggère en fait que si les enfants voyaient la donation tout de suite, alors ça leur donnera envie de faire la fête. Oh, si vous voulez, on n'a qu'à faire la présentation sur le champ. Jeff, pouvez-vous amener leur cadeau? Oh, oui, 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 bien sûr. Est-ce qu'il est arrivé? Non, pas encore. Oh, il ne répond pas non plus au téléphone. Il ne lui est rien arrivé, j'en suis sûr. Il est très malin. Il saura éviter les ennuis. Il a sûrement envie de passer un peu de temps tout seul. Et nous oublier un peu. T'es passé prendre le cadeau? Oui, oui, j'ai tout mis dans la réserve. Moi, tout ce que je veux pour Noël, c'est qu'on soit ensemble. Moi aussi. Allez, tout va s'arranger. S'il vous plaît, tout le monde, approchez. Rassemblez-vous, venez. Approchez, n'ayez pas peur. Venez, je veux être sûr que tout le monde entende. Merveilleux. Je vous souhaite la bienvenue. Quelle journée exceptionnelle. Exceptionnelle pour notre banque qui valorise le contact humain. Et non moins exceptionnelle pour le club des garçons de Santa Rita. Nous sommes ravis que vous soyez tous ici aujourd'hui. Et nous avons la chance d'avoir Monsieur Williams qui est quelqu'un qui mérite qu'on l'admire. Et c'est pour récompenser l'extraordinaire action de cet homme pour la communauté année après année que nous avons le plaisir d'offrir au club de Santa Rita ces deux gros sacs qui à eux deux totalisent une donation record d'exactement 10 000 dollars en liquide. Félicitations! T'es prêt, Jumper? Tu penses en être capable? Je vais le faire. Pour maman. Et aussi pour Oliver. T'es prêt? Ouais. Lance! Oh, hey, qu'est-ce que c'est? Arrêtez, arrêtez, arrêtez! Vous êtes fous, les gars! Je vais tomber! Ok, vous deux,
À vous de jouer. Mais ce n'est pas Roy Williams. Appelez la police. Oui. Tinkle, fais ce que tu sais faire de mieux. Je fais jamais exprès. Je sais pas trop. Tinkle, fais-le. Je vais essayer. J'espère que je vais pas vous décevoir. Je t'ai dit de te lever. Reculez. Je vous ai à l'œil. Bien joué, Tinkle. Merci. Quand faut y aller, faut y aller. On peut encore s'en sortir. Arrêtez, je me rends, j'abandonne. Ah, t'es qu'à moi, rien. Rendez-vous, vous n'avez nulle part où aller. Et c'est ce que tu crois? Moi, je vais où je veux. Il est pris au piège, il n'y a pas de sortie par là. Papa. Oliver? Tu étais avec eux? Non, mais c'est une longue histoire. Papa t'a assuré tout ce qu'il nous faut. Oh non! Reculez! Écartez-vous de la porte! Ou le chien y reste! C'est la mère des petits chiens. Qu'est-ce qu'elle fait ici? Je l'ai acheté ce matin. Ça devait être ton cadeau de Noël, Oliver. J'ai dit, écartez-vous de la porte! Je vous emprunte l'argent et je prends ce chien avec moi! Reste ici, d'accord? Oliver, non! C'était vraiment une super fête! Sérieux, c'était de la balle! Vraiment de la... Je vois, vous l'aurez cherché. Dites-lui adieu. Je tiens à dire que les vacances de Noël ont toujours été mes vacances préférées. Oh, oh, oh. Incroyable ce que tu as fait, Oliver. Où as-tu appris à shooter aussi bien? En fait, mon père jouait au football à l'université, donc... Donc il t'a appris sa botte secrète pour tirer aussi fort que ça? C'est-à-dire... Non. Malheureusement, non. Oliver a dû apprendre ça tout seul parce que son père n'était pas là. Et à partir d'aujourd'hui, je pense que ça va être différent. Monsieur Garvey... Travailler pour vous est un honneur, et vous m'avez très bien payé, mais... Il y a des choses qui sont plus importantes que l'argent, et quel que soit le montant du salaire, je ne peux pas acheter de temps pour être avec lui. Alors, je crois qu'il est grand temps pour moi de chercher un nouveau travail. Vous avez raison, Jeff, il est temps. Très bien, dans ce cas, dès lundi, je viendrai vider mon bureau. C'est une excellente idée. Parce qu'à partir de lundi, vous vous installerez à l'exécutif avec moi. La banque se lance dans un nouveau projet d'étude au cas par cas. Dans ce projet, nous avons l'intention d'accompagner les foyers en situation difficile en les aidant à rester chez eux. Et je veux que vous vous en occupiez. Alors ça, je serais vraiment honoré, monsieur, mais... Mais ce n'est pas sans contrepartie.
Monsieur, si ça veut dire que je dois travailler les week-ends, je dois refuser. Ma famille compte beaucoup. Cette nouvelle branche de la banque ferme à 17h tous les jours. Et si vous n'êtes pas sorti à l'heure convenue, disons 17h01, vous êtes renvoyé. Entendu. Ça devrait vous donner assez de temps pour jouer avec votre fils. Oui, oui, je crois que je vais trouver le temps pour ça. Alors, tant mieux. Merci beaucoup. Allez donc profiter de cette somptueuse fête que vous avez organisée. Joyeux Noël à toute la famille. Joyeux Noël à vous, monsieur Garvey. Merci. Chérie, il y a d'autres choses qui vont devoir changer. Il faudra s'y faire. Que dirais-tu si je te disais qu'on déménage? On sera toujours dans le même quartier, à Santa Rita, mais la maison sera moins grande. Vous savez, je m'en fiche de la taille de la maison. Tout ce qui compte, c'est qu'on soit ensemble. Tous les trois. Sans oublier Lady. Et Lady. Je crois que Lady trouvera facilement sa place dans nos cœurs. Et ses petits. Tu veux tous les prendre? Oui, maman. On a vécu des choses si fortes tous les six. Ils sont mignons, non? Plus on est de fous, plus on rit. Viens là. C'est pas vrai, c'est de la taille des vrais buts. Si tu veux devenir un pro, il faut que tu t'entraînes comme un pro. Et ça s'emmène partout. On le démonte et on peut l'emmener au parc ou ailleurs. On devrait inviter Biff. Je crois qu'il ferait un bon gardien. J'ai des doutes, je t'ai vu tirer, il va falloir qu'il soit sacrément doué. C'est vrai que je m'améliore. Ça c'est sûr, je dis pas le contraire. Tiens, attends, qu'est-ce qu'il dit là? Les enfants, je suis tellement fière de vous. Non seulement vous avez été solidaires, mais vous avez risqué votre vie pour venir en aide à vos amis humains. Et je suis surtout fière de toi, Rory. Quand je t'ai nommé responsable de tes frères et sœurs, c'est parce que tu étais le plus vieux. Aujourd'hui, je sais que j'ai eu raison de te faire confiance. Tout est bien qui finit bien. Hein, Rory? Oui, enfin, tout n'est pas fini. Comment ça? Qu'est-ce que tu veux dire? On est avec maman? Dans une maison accueillante, agréable à vivre. On a plein de trucs à grignoter. Et des gens toujours prêts à nous gratter le ventre. Je vois pas ce qu'on peut demander de mieux dans la vie. Oui, mais toi et moi, on a quelque chose à finir, mon frère. Quelque chose à finir? C'est quoi? Tu veux un indice? Voyons. Il y en a un qui court et un qui poursuit. La dernière fois qu'on jouait à chat, tu m'as pas attrapé. Quoi? Oh non! Attrape-moi si tu peux! Ouais, c'est ça!